Swimming in the Seine has long been forbidden, but taking a dip in the iconic river could soon become a reality. Just in time for the 2024 Summer Olympics, Paris has embarked on its most ambitious bid yet to clean up one of the world's busiest waterways. On ne peut plus se baigner officiellement dans la Seine depuis 1923. On travaille maintenant depuis plusieurs années à améliorer la qualité de l'eau pour permettre de pouvoir s'y baigner à nouveau. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il y aura effectivement plusieurs épreuves dans la Seine. Elles se dérouleront toutes au pied du pont Alexandre III. Donc le triathlon, hommes, femmes et relais mix, et le paratriathlon. Il y aura aussi pendant les Jeux Olympiques la nage en eau libre. Donc c'est une épreuve de 10 km donc qui sera en boucle. C'est pas une folie, c'est une ambition. D'abord, les Jeux ont permis d'accélérer un certain nombre d'investissements qui permettent d'améliorer la qualité de la Seine et de pouvoir s'y rebaigner à nouveau pour les épreuves d'abord olympiques et paralympiques. Et puis ensuite, la baignade pour les Parisiens, elle démarrera à l'été 2025, un an après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le budget global de l'assainissement de la Seine est évalué à peu près 1,4 milliard sur 8 à 10 ans et il concentre un certain nombre d'investissements nécessaires pour améliorer cette qualité de l'eau. Tout ça est fait dans un cadre très réglementé et réglementaire. On doit répondre à des exigences européennes de qualité de l'eau. La qualité s'améliore. L'été dernier, par exemple, sur le site qui accueillera les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur la période des Jeux Olympiques, donc sur les 15 jours, 92% de ces jours-là, la qualité de l'eau était satisfaisante ou excellente, donc aurait permis l'accueil de ces épreuves. L'exigence de la Fédération internationale sera remplie ici à Paris et la qualité de l'eau sera bonne. Sans les Jeux, on y serait sans doute arrivé, mais peut-être en 30 ou 40 ans, ce que là, on aura été capable de faire en 8 à 10 ans. On prend rendez-vous à l'été 2025 maintenant, toutes et toutes en maillot de bain pour profiter et découvrir la Seine d'une autre vision que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Paris has made the Seine its leading star in the upcoming Olympics, but not many people would brave its murky waters just yet. The iconic river has built a filthy reputation as a dumpyard for all sorts of trash, plastic, cigarette butts, and even electric scooters. More than 350 tons of waste are hauled out of the Seine every single year. But the biggest hurdle to making the Seine swimmable could be the city's sewer system. It combines storm water and sewage water before they reach treatment centers. When heavy rain hits, the system can easily be overwhelmed, discharging contaminated water back into the river, nearly 2 million cubic meters in 2022. The French capital now plans to curb water pollution for good. Moored boats and thousands of homes along the river will need to be hooked up to the city's sewage system before 2024. Cleaning up the Seine has been years in the making. Officials saying the amount of wastewater entering the river is now 90% lower than 20 years ago. But how clean is clean enough? And what will it take for Parisians to finally take the plunge? Là, on est au bord de la Seine. J'ai été prélevé de l'eau pour vérifier la quantité de bactéries fécales qui étaient présentes dans cette eau. On doit mesurer la présence de deux espèces de bactéries, Escherichia coli, et d'autre part, on doit mesurer la présence d'entérocoques intestinaux. C'est des bactéries fécales d'origine humaine. Elles proviennent pour l'essentiel des rejets des réseaux d'eau usée. La deuxième source potentiellement importante, c'est
d'autres animaux à sang chaud qu'on aurait dans la ville. Ces bactéries indicatrices fécales, en soi, elles ne sont pas dangereuses. Leur intérêt, c'est d'être des indicateurs de la présence de pollution fécale. Et s'il y a pollution fécale, il y a risque que des virus, par exemple, transmis par les fesses des hommes, soient présents aussi. Et là, ces virus-là pourront être des virus dangereux. De retour au labo, on va mettre l'eau dans des petits flacons avec des produits qui vont permettre à ces bactéries de croître. On va les placer dans une étuve à 37 degrés durant 18 ou 24 heures. Quand les bactéries sont présentes dans l'eau, la manip qu'on fait va faire apparaître une coloration bleue ou jaune en fonction des types de bactéries qui sont présentes. Actuellement, on est dans une fourchette entre 100 Escherichia coli pour 100 ml jusqu'à à peu près 1000, 5000. Pour que l'eau de la Seine soit déclarée baignable, il faut être en dessous de 900 Escherichia coli pour 100 ml durant 90% du temps. Les bactéries fécales sont toujours présentes en Seine, toujours. Ce n'est pas parce qu'on a quelques bactéries fécales présentes en Seine qu'on ne peut pas se baigner. Tout est une question de normes, de niveaux. Il faut que le niveau soit suffisamment faible pour que le risque d'attraper une maladie en Seine soit extrêmement faible. Ici, nous sommes sur le chantier du bassin Austerlitz, la plus grosse opération du réseau d'assainissement parisien. Alors ce projet, il coûte 90 millions d'euros. C'est comme une grosse piscine souterraine. Ce bassin, sa vocation, c'est de donner au réseau d'assainissement une capacité de stockage lors des épisodes pluvieux, de se remplir, de laisser passer l'orage et d'éviter ces déversements dans la Seine. Quand il pleut, le volume d'eau dans le réseau d'égout augmente d'un coup de manière très importante. Pour éviter des débordements dans les rues, on utilisait et on utilise la Seine comme soupape de sécurité. La Seine sert d'exutoire, entre guillemets, de poubelle de l'assainissement de manière trop régulière par des déversements. Demain, grâce à cet ouvrage, elles seront interceptées via un tuyau de 2,50 m de diamètre et de 600 m de long entre là où nous sommes et le pont d'Austerlitz. L'eau s'écoule gravitairement dans cet intercepteur, rejoint le bassin qui, lui, fait 50 m de diamètre sur 30 m de profondeur. Le volume est équivalent à 20 piscines olympiques souterraines cachées. Et le lendemain, après la pluie, en moins de 24 heures, on pompe cette eau du bassin. On la remet dans les égouts du boulevard de l'hôpital. Elles vont s'écouler jusqu'en station d'épuration pour être traitées avant rejet au milieu naturel. Ce type d'ouvrage, il va permettre de réduire les déversements en Seine et donc tout simplement d'améliorer l'état écologique de son écosystème, donc l'état de l'eau et donc la qualité de l'eau aussi au sens sanitaire. Les Jeux Olympiques, avec en ligne de mire l'effet de baignade pour les athlètes puis pour le grand public après, a permis de donner un coup d'élan, un coup d'accélérateur pour l'amélioration de l'état écologique de la Seine. There's one thing, however, that these massive works cannot fix: the unpredictability of the weather. Sudden storms could still put pressure on a fragile system. Modernizing wastewater treatment plants remains a key pillar of the French capital strategy. Aujourd'hui, les filières de traitement sont d'ores et déjà efficaces. Il s'agit d'être encore meilleur, d'ajouter des étapes de traitement complémentaires pour contribuer à l'atteinte de l'objectif baignade. Parmi les actions engagées dans le cadre du plan baignade, il y a la modernisation des usines Marnaval et de l'usine Seine-Valenton. Il s'agit d'intégrer sur les filières de traitement des traitements dédiés
à l'élimination des bactéries fécales. L'usine Marnaval va être équipée de lampes ultraviolettes. Donc les eaux de rejet qui auront été traitées, c'est-à-dire qu'on aura déjà enlevé la matière organique, l'azote, le phosphore, eh bien on va faire passer ces eaux de rejet à travers des rampes de lampes ultraviolettes. La lumière va irradier l'eau et de ce fait, les bactéries encore présentes vont être tuées, désactivées. Il faut garder à l'esprit que de très faibles volumes d'eau usée introduits dans la rivière apportent des quantités importantes de germes. 100 ml d'eau usée contiennent plusieurs millions de germes. Lorsque ces eaux usées passent à travers nos filières de traitement, elles en éliminent une grande partie. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif baignade. Le fait est qu'en utilisant ou en ajoutant ces étapes de traitement, on va encore diviser par 1000 les concentrations dans l'eau qu'on va rendre à la rivière. Les deux usines d'épuration ont bien sûr des positions tout à fait stratégiques puisqu'elles se situent à l'entrée de Paris. Donc tous les efforts qui seront faits sur ces usines pour gagner de la performance de traitement, eh bien, on le verra sur la qualité de la rivière qui rentrera dans la ville de Paris. Le bassin de collecte de l'agglomération parisienne est exceptionnel. Je le rappelle, plus de 9 millions de Franciliens qui sont installés sur un fleuve qui a un faible débit. Et chaque jour, ces 9 millions de Franciliens génèrent environ 2 millions de mètres cubes d'eau, 2 milliards de litres. Donc on voit bien tout le caractère très sensible. Ça permet d'apprécier l'ampleur du défi. Et ce défi est possible parce que depuis 50 ans, des efforts ont été faits pour améliorer la robustesse et la performance de ces usines de traitement. On peut être tout à fait optimiste sur notre capacité à atteindre cet objectif.